vous avez. Ça ne pas vous avez les jeux de la carte de plateforme. Avec une présentation de notre maman, de Fiché, merci pour cette belle prestation. Dans quelques petites minutes, nous allons démarrer la partie officielle du 5e congrès extraordinaire éclaté, congrès pour désigner le candidat de notre formation politique à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et c'est ce qui nous rassemble ici à la salle Lucas François du Palais des Sports de Trècheville. Je voudrais vous remercier la chefferie traditionnelle de la Garde Maro qui est là à nos côtés.
Tiens ça, hein. Ah bon? Yeah, easy, easy. Je sais que c'est l'amour, je t'envoie pour être plus éclat. Nous assistons à l'arrivée du secrétaire général du parti et porte-parole. Qu'on reçoive sous vos acclamations, s'il vous plaît. Secrétaire général et porte-parole du parti. Oui, ce n'est pas faux. Je voudrais qu'on acclame une fois de plus le secrétaire général du parti et porte-parole, bien entendu, du parti. Issiaka Sagonga, le camarade Issiaka Sangaré, qui s'est installé. Dans quelques instants, nous allons recevoir une autre dame. Personnalité qui va donc arriver d'un moment à l'autre. C'est pour dire que dans quelques petites minutes, oui, la cérémonie va commencer. 5e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Oui. Dans quelques petites minutes, donc, nous allons accueillir une autre personnalité, et non des moindres. Et comme nous savons accueillir nos personnalités, je pense que nous allons lui réserver une acclamation monstre à la hauteur de son rang. Palais des sports de Trècheville, la salle Louga François, pour un événement qui fait date, la désignation du candidat du Front populaire ivoirien, au risque de nous répéter, à l'élection présidentielle du 31 octobre, date de tous les espoirs pour l'ensemble des Ivoiriens
en cela que le pays est affaissé. Il faut donc le relever. Et au sein de notre formation, nous avons des compétences pour atteindre cet objectif qui est partagé par l'ensemble des Ivoiriens, d'où qu'ils sont. Rappelons que ce congrès se tient dans les chefs-lieux de région et également les districts politiques de notre formation politique. Et bien entendu, nous aurons des images en vidéoconférence dans les localités où se tient ce cinquième congrès extraordinaire éclaté de notre parti. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le parti qui est observé par l'ensemble des Ivoiriens n'est autre que le Front populaire ivoirien. Au sorti donc à la fin de nos assises, nous savons le faire, nous choisirons un homme d'expérience qui a la parfaite connaissance de l'État, de tous les dossiers de l'État, qui peut donc diriger notre pays, le ramener sur les règles de développement. Et puis, la démocratie a été enseignée en Côte d'Ivoire par le Front populaire ivoirien. Nous allons donc ramener la démocratie qui nous a tourné le dos depuis plus d'une décennie. Le parti donc a perdu le pouvoir de façon suivante, inventant la nécessité pour nous arracher le pouvoir et nous allons le reconquérir par la voie des urnes. C'est ce que nous avons fait de nous. C'est ce que nous avons fait, enseigner au monde que la démocratie, c'est l'expression populaire. C'est l'expression populaire, le pouvoir du peuple par le peuple. Et le peuple donnera le pouvoir à coup sûr au candidat que le Front populaire a désigné. Et c'est à partir de ce jour. Merci à vous tous d'avoir accepté. Thank you.
Merci de vous. Le président s'est installé, veuillez vous asseoir. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Président du Front populaire ivoirien, député Bongouanou, sous-préfecture, Président du Conseil régional du Morono, camarades membres du comité de contrôle, camarades membres du secrétariat général, camarades secrétaires généraux de fédération, camarades secrétaires généraux de section, camarades membres de l'Alliance des forces démocratiques AFD, mesdames et messieurs, les responsables des partis politiques alliés et invités, camarades militantes et militants du Front populaire ivoirien, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, l'élection présidentielle de 2020 approche à grands pas. Les états-majors des partis politiques significatifs sont en branle. Le Front populaire ivoirien, la nouvelle espérance la plus crédible de la Côte d'Ivoire, ne saurait être en marge de l'actualité politique nationale à moins de renoncer au combat. La présente cérémonie a pour objectif majeur la désignation de la personnalité qui défendra au mieux les couleurs de notre formation politique le 31 octobre prochain. Nous comprenons aisément l'importance du 5e congrès extraordinaire de notre parti qui est resté fidèle aux idéaux de démocratie, de solidarité, de justice et de paix. Rappelons que le congrès éclaté du parti se tient dans nos districts politiques et dans chaque chef lieu de région à cause de la pandémie à coronavirus. Mais cela n'enlève rien à la qualité de nos assises. Mieux, le parti se rapproche davantage des militants. Militantes et militants du Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence distinguée à nos assises. Pour nous, les Africains, les morts ne sont jamais partis. Ils sont à nos côtés jour et nuit pour nous guider et nous apporter assistance. C'est pourquoi, à l'occasion du 5e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien, nous allons à nouveau solliciter la bienveillance des membres de nos ancêtres pour la réussite de la présente cérémonie. Ainsi, les personnes animées de desseins malveillants seront mises hors d'état de nuire. À cet effet, nous appelons M. Moronou Gustave de la chefferie traditionnelle d'Anomabo pour le rituel de libation et sous nos acclamations. Amen.
Amen. Bon, je vais essayer de résumer un peu en substance ce que j'ai dit tout à l'heure en langue haïtienne. J'ai demandé aux manos de nos ancêtres de bénir cette cérémonie pour que l'union se fasse au sein du FPI et que Dieu fasse que le président africain récent soit propulsé à la tête de notre pays. Je vous remercie. Camarades congressistes, acclamons très très fort la chevelure traditionnelle d'Anoumabo avec comme porte-parole M. Moronou Gustave pour le rituel de libation. La tradition a été respectée. On nous dit que la musique est l'expression des plus belles émotions. Et les émotions, nous en aurons ce jour. Premier artiste, pour sa première prestation, c'est du Zouglou. Mesdames et messieurs, accueillons De Vinci. Zouglou. Est-ce qu'on peut applaudir un peu pour le président, s'il vous plaît? Ouais. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas trompé de combat, car au bout de l'effort se trouve toujours la récompense. Nous savions que le seul président qu'il nous faut pour libérer définitivement ce pays, on te parle d'Afi Ungessa. C'est pour cette raison qu'il fait peur à ses adversaires. C'est pour cette raison qu'ils vont dire à la Côte d'Ivoire ce qu'il n'a pas fait. Mais on peut te combattre, on peut te salir, mais quand il y a la main de Dieu sur toi, tes ennemis seront humiliés devant tout le monde, président. Le A, il a beaucoup attentionné envers ses enfants. Et le F, c'est un monsieur qui est franc. Il dit la vérité, c'est pourquoi les gens ne l'aiment pas. Mais la vérité triomphe toujours. Et le I, il est international, papa, Afi. Le N, il est naturel. Le G, il est grand. Le U, il aime l'unité. Exemple, l'Inas Makoussi. Et le E, efficacité. Le S, le sérieux. Le A, il a de l'affection pour tous. Et le N, il est naturel. Regardez comment il est entré. Afi Ungessa. Sans oublier notre maman qui est auprès de lui, qui lui donne des conseils, parce que auprès d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Tout se passe la nuit avec les conseils de maman. Ça va? Commandant Kamé! Est-ce que ça va? Tout le monde! Tout le monde! Socio! Yo amo! Yo amo! Président Vingessa Ibao! Tout le monde! Ah! Est-ce que ça va? Les grands hommes ont été toujours combattus. Oh. Et les hommes des valeurs ont toujours eu des ennemis. Regarde Samori Touré. National Tia. Kwame Nkrumah. La ravissante. La récente Dalela. Ton frère Laura Bago. Maman Kili, la dame des fers. Maman Kili, n'abandonne jamais. Président Jean-Marie Poney, n'abandonne jamais. C'est toi notre sauveur. Le sauveur parce qu'on a fini ça. Président Vingessa Ibao. Est-ce que ça va? Amani
Ungesa, ministre Kadebete. Yeyo Amo, Mwako Adon Madrieo, PDG de Google Group, Tipi Ratipi Mateleno, Konate Navigeo. Est-ce que ça va à tout le monde? Si tes ennemis parlent mal de toi, oh, c'est parce que tu es important, oh. S'ils veulent te voir tomber, c'est parce que tu es au sommet. S'ils combattent tes idées là, c'est parce que tu es dans la réalité, oh. Ils seront toujours confondus, oh, car l'Éternel est ton berger. Ils seront toujours confondus, oh. Est-ce que ça va tout le monde? Oh yo, oh, Afingesa Ibo. Yo amo, président Afingesa Ibo. Hey yo amo, le panisse Ibo, c'est Benjamin. Contre sa force. Est-ce qu'on peut applaudir un peu pour maman? On en fait, c'était la victoire. En fait. On applaudit pour maman, on applaudit pour elle. Chop, Camolène, il dit sa bonne. Est-ce que ça va? Eh ouais! Eh yo, homo, président Afingesa, il bossa, oh! Eh bon, oh! Eh, sois béni, maman! Président Afingesa, il bossa, oh! Il s'appelle De Vinci. On l'acclame une fois de plus. Dans sa fonction au sein du Front populaire ivoirien, Abidjan Sud est sa zone de compétence. Il est donc le vice-président du district d'Abidjan Sud qui comprend Trècheville, Marcory, Port-Boué, Koumassi et Vridi. La parole lui revient en premier pour souhaiter la cordiale bienvenue aux congressistes. Nous appelons le vice-président Jacques Kakou. En plongeant mon regard au cœur de la vie de notre parti, et en revisitant le parcours mémoriel du Front populaire ivoirien, je me remémore des événements mémorables qui se sont déroulés à Trècheville. Je me souviens des jours anciens et ma joie est indicible. Je me souviens du premier meeting de Laurent Gbagbo, août 1990. Je me rappelle la première fête de la liberté, toujours au Parc des Sports, en 1991. Je me souviens aussi des démembrements du parti. Je vais parler de la JFPI. Je vais parler de l'OFPI, qui ont été portés sur les fonts baptismaux en 1991 à Laïtassi, à Trècheville. Trècheville, terre mythique des heures de gloire du Front populaire ivoirien. En ce grand jour du 1er août 2020, au nom du district d'Abidjan Sud, district riche de 10 fédérations, je salue respectueusement les délégués d'Abidjan Sud, les délégués d'Abidjan Banco, les délégués d'Abidjan les 2A, les délégués d'Abidjan Lagune, camarades de la JFPI et de l'OFPI, je vous salue.
Je salue avec déférence et dignité les membres du secrétariat exécutif, du secrétariat général et du comité de contrôle. Merci d'être vous. Pourquoi sommes-nous rassemblés ici? Nous sommes le Front populaire ivoirien, parti habité par le calme de la raison. Nous sommes ici, en ce haut lieu, pour célébrer la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous sommes ici pour crier notre adhésion au socialisme démocratique, champion des réformes sociales, de l'économie de marché et qui exige des débats internes et la démocratie au sein du parti. Nous sommes en cette agora pour dire urbi et orbi notre exaltation de la transition pacifique à la démocratie, c'est-à-dire la voie pacifique d'accès au pouvoir d'État. Nous sommes surtout ici pour désigner notre candidat à la candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ave Afingessa, homme de paix, homme de justice, homme de conviction qui réconcilie le dire et le faire. Heureux d'être de ton écurie, écurie de l'excellence, écurie de la dignité et écurie de la responsabilité agissante. Mais qui es-tu à Afingessa? Comment fais-tu à Afingessa? À chaque fois, ce que ta bouche a dit, les autres sont mécontents, mais après, ils prennent tes idées et sans même te verser des droits d'auteur. Ils embouchent la trompette, je dirais, du plagiat. Et pour cela, nous avons de nombreux exemples. Je me souviens, en 2014, Afingessa a dit « Il faut les états généraux de la République ». Et certains ont cru dire que c'était du bavardage. Mais aujourd'hui, ils sont dans la gadoue et ils souhaiteraient faire ce que Afingessa a dit. Je me souviens encore, quand tu es sorti de prison, tu as dit tout simplement, il faut que nous soyons dans la négociation avec le pouvoir. Ils ont encore dit, oui, Afi a trahi. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se cachent pour aller négocier. Honte à eux. Camarade Afingessa, tu l'as encore dit. Quand nous avons fini les élections des commissions électorales locales, tu as dit que vraiment ces élections-là, il y avait déséquilibre en ce qui concerne les présidents de ces commissions électorales locales. Et plus près de nous ici, la Cour africaine des droits de l'homme a répété ce que tu as dit. Merci, camarade. Pour terminer, je vais citer mon chef, parce que tu es un chef. Tu es un chef. Et tu es beau, tu ressembles à vraiment la fonction de président de la République. Parce que, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu as été maire,
de Bongouanou. Tu as été ministre sous la transition. Tu as été premier ministre. Tu es député de la nation. Tu es aujourd'hui président du conseil régional de Bongouanou. Qu'est-ce qui reste? Le poste de président de la République. C'est pour cela que nous allons te prêter à la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà votre président. Nous vous le prêtons. Et comme je le disais pour terminer, je vais citer Pascal Afinguessan, qui déclarait à la clôture de la 8e convention extraordinaire du Front populaire ivoirien, tenue le 22 février 2014, au Palais des Sports à Trècheville. Et je le cite. La troisième et dernière chose, c'est la certitude de notre victoire. Nous allons gagner. Le président Laurent Gbagbo sera libéré. Bientôt, très bientôt, le Front populaire ivoirien sera à nouveau au pouvoir par la seule voie qui nous est enseignée, la voie de la transition pacifique à la démocratie. Fin de citation. En avant pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, vice-président. Merci. On l'applaudit jusqu'à ce qu'il redescende. Merci. Celle que je vais appeler est la première vice-présidente du Front populaire ivoirien. Elle est par ailleurs la présidente de ce 5e congrès extraordinaire éclaté. J'ai nommé la vice-présidente Christine Conan, qu'on reçoit. Camarades congressistes, nous avons parcouru du chemin. Certains nous ont quittés et ce ne sont pas les moindres. Je voudrais donc que nous observions une minute de silence en la mémoire de nos illustres disparus. Je vous remercie. Camarades présidents, camarades congressistes, chers camarades de l'AFD, honorables chefs traditionnels, chers invités, avant tout propos, je voudrais dire merci au président du parti pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne pour présider les assises de notre 5e congrès ordinaire portant désignation de notre candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu précisément dans 3 mois. Je saisis cette occasion pour saluer tous les camarades congressistes qui ont effectué le déplacement pour vivre ces moments historiques relatifs au choix de notre candidat.